Salut à tous, c'est Reporter Auto, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors cette fois, c'est le jeu Forza Horizon et j'ai pris la Bugatti Veyron Super Sport. Je vais faire plusieurs choses. Parce qu'en fait dans ce jeu j'ai découvert une espèce de champ avec plein de boss et avec cette voiture quand on saute. C'est assez extraordinaire, ça fait des immenses sauts. Et aussi si vous avez la radicale, et ben, ce sera encore mieux vu qu'elle est plus légère. Et après, une fois que j'aurai fait ça, j'irai sur l'autoroute et je vais faire une course, enfin pas une course, mais je vais essayer d'aller le plus vite possible et vous allez voir, ça va aller très très vite. Bon, ben, cette fois, je vais faire des petites bosses là dans le champ. Bon, allez, on y va. Vous allez voir, ça saute. Et ça, c'est... Il y a un petit défi où on a... Donc il faut avoir plus de 9000 points de... Oula. Il faut avoir plus de 9000 points de cascade et tout. Et ben dans le champ, c'est très pratique. À des endroits, il y a plein de boss. Par contre, après, il faut faire un peu attention parce que ça peut... Là, par exemple, je suis un peu content. Donc voilà, c'est un truc très rigolo que j'ai découvert. J'ai passé beaucoup de temps, plusieurs fois à le faire. C'est tellement rigolo. Par contre, parfois, au plus des tombeaux. Mais... Bon, allez, cette fois, j'allais à l'autoroute. Donc... Bon allez, je vais aller à l'autoroute maintenant. Donc je le mets, je vais aller au début de l'autoroute. Voilà, c'est ici. Les autoroutes, hein, c'est les grosses routes jaunes là qu'on va sur la carte. Donc voilà, je vais y aller. Et après aussi, je vais aller sur l'autoroute hein, avec d'autres voitures super rapides comme la, par exemple, la NSA BMW GT. Attends, je fais un combat avec contre la NSA, c'est sa plus grande rivale. Ah ben, attendez, je fais un combat là parce que j'ai vu une NSA Venom GT. Et je vais essayer de faire la course contre ma Bugatti, vu que c'est des grandes rivales. Je vais essayer de la rattraper. Dans ce jeu, pour faire une course contre d'autres gens, il faut aller derrière eux et appeler sur X. Donc il faut que j'aille derrière elle, ça va marcher. Voilà. Vous allez voir, ça va peut-être être serré. Mais je vais essayer de gagner. Donc en fait ça c'est des petites courses comme ça qu'on peut faire quand on croise des gens. Ah ici ça glisse beaucoup sur... Ah mince elle a pris un raccourci que j'ai pas vu, peut-être ça va arriver avant moi du coup je sais pas, on va voir. Je tourne. Allez là il y a une ligne droite, je devrais avoir un peu l'avantage. Mais elle a pris un raccourci, je sais pas où elle est, donc là je me dépêche. Comme vous pouvez voir, elle est très 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 rapide, mais en même temps c'est l'une des plus rapides de voitures de série. Je me dépêche, c'est un peu dur d'esquiver la voiture à cette vitesse. Ouh là là, je me suis un peu cogné. Heureusement là j'ai mis un mode où quand on se cogne, la voiture elle s'abîme pas, parce que du coup après ça fait un petit peu moche. Donc là elle est toujours belle, il n'y a aucune égratignure. Donc ah, je suis deuxième, c'est marqué, j'espère que je la rattrape. Et... Je sais pas où elle est, je vois pas pour l'instant sur la carte, mais... Allez, c'est bientôt fini, plus qu'un peu moins d'un kilomètre, mais cette vitesse c'est rapide. On y va, on y va, on y va. Ah, maintenant je suis premier. Ah, j'en ai marre de me cogner. Elle arrive, faut que je me dépêche. Je la vois sur la carte, elle est derrière moi. Elle est là, vite, vite, vite. Allez, je pense que j'ai gagné là. Vous pouvez le voir, c'est assez serré puisque c'est des points de rival, les deux. Et voilà. Bon ben maintenant je vais aller à l'autoroute pour vous montrer ce que je voulais vous montrer. Et après justement je le ferai avec la NSA aussi. Donc voilà, j'ai gagné un peu d'argent. Donc je retourne au début de l'autoroute. Bon ben justement là on va traverser un petit morceau de l'autoroute pour y aller. Donc, mais après on va la faire en entière pour vraiment aller à la vitesse max. Donc j'y vais, là vous allez voir ça va être très 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 rapide. Je vais essayer avec plusieurs voitures hyper rapides. Ah mince, par contre c'est un peu dur d'esquiver la voiture sur l'autoroute. Comme vous pouvez voir sur le compteur ça va faire très très vite. Après j'ai peut-être atteint plus de 400, ça m'est déjà arrivé. Ah mince, c'est un peu dur d'esquiver la voiture, c'est un peu énervant quand ça fait ça. Surtout que là je voudrais vous montrer sa vitesse maximale. Et après je vais le refaire là quand je vais arriver au bout, je vais en refaire un pour bien vous montrer. Ah elle m'a un peu bloqué celle-là. On arrive bientôt au bout. Donc là
là ça ralentit, il y a un peu plus de virages et ça devient de plus en plus étroit parce que c'est la fin. Franchement moi j'aime bien ce jeu parce qu'on peut faire un peu tout ce qu'on veut et tout, c'est un peu... Aussi bientôt je vais vous montrer une vidéo, je sèche beaucoup de jeux de voiture, je vais vous montrer une vidéo dans peut-être dans... comment ça s'appelle, le jeu Need for Speed Most Wanted, parce qu'il y a beaucoup de choses à vous montrer. Bon donc voilà, là je vais refaire l'autre route dans le sens complet, j'espère que les voitures ne vont pas trop me gêner. Bon bah c'est parti, j'espère que j'atteins plus de 400. Allez c'est parti. Donc voilà, ça va très vite. Les voitures elles me gênent un peu, faut faire très attention. Ah mince, je suis trop bien. Bon, c'est pas grave, elle garde la vitesse, elle accélère vite, donc c'est pas un si gros problème si on se conne. Ça c'est vraiment une expérience à faire dans ce jeu parce que c'est vraiment rigolo, mais par contre faire très attention aux voitures parce qu'on se conne facilement. Donc voilà, je fonce. Ah j'étais presque à 400, à un moment j'étais à 380 et quelques. C'est un peu dur d'esquiver là. À un moment, en tout cas, sur cette autoroute, comme j'ai fait là, ben, j'ai réussi à atteindre les 418. J'espère que je vais y arriver pour vous montrer, mais c'est pas facile. Donc, on y va, on fonce, je suis presque à 400. Je crois que je suis presque, je me prends une voiture, ça m'énerve un peu. Mais c'est pas grave. Donc, on fonce, on va réessayer. Donc, voilà, pour l'instant, ça va, tout se passe bien. Mais j'espère que je vais réussir à atteindre les 400. Oh mince, j'avais pas vu ça là-bas. Attendez, je vais un peu rembobiner, d'habitude je le fais pas, mais là c'est pour vous montrer, parce que sinon après j'aurai pas le temps d'atteindre les 400, même plus. Voilà, là je suis à 360. Ça va vite. 380. Ah, ça m'énerve, chaque fois je me cogne quand je suis à une grande vitesse. Bon, je pense pas que je vais réussir à atteindre les 400, mais en tout cas, je vous dis que c'est possible, je suis à atteindre les 418. Mais en fait, là, le problème, c'est surtout les voitures, sinon, on aurait pas eu de problème. C'est dur de les esquiver, mais d'habitude, j'y arrive à peu près, mais ça doit être le stress, ça coûte la vidéo. Donc là, je suis bientôt arrivé. Ah, c'est une petite zone de vitesse. Voilà. Oui voilà, vous avez vu mon rebord là c'était 306, mais en même temps c'est dans un virage donc normalement je peux pas le contrôler. J'espère vraiment que j'ai réussi à atteindre plus de 400. En tout cas, je vous dis c'est possible. Donc là j'espère que je vais y aller. Ah là, j'en ai marre de toujours me cogner. Oh là là, je me les prends toutes. Là je suis presque à 300 déjà. C'est un petit peu dur quand même parce que avec toutes les voitures qu'il y a c'est dur de pas se cogner. Ah là j'arrive bien. Oh ben puis quand je dis ça évidemment. Bon je me contrains. Allez je suis belle, là je suis à 320. Tellement rapide, j'ai presque pas le temps de le dire, alors que c'est... Là, elle va déjà plus vite que les Formule 1 et tout, là, sa vitesse. Elle est vraiment très rapide, oula. J'espère que j'ai arrivé, là. Oh non, j'ai pris un mauvais chemin. C'est pas grave, puisque ça revient directement sur l'autoroute. Oulala. Là là. Bon, bah, j'ai fait un petit tournoi. Bon, allez, je vais le rembobiner. Parce que là... Un petit tonneau, d'ailleurs il est pas si petit que ça, j'aimerais pas être dans la voiture en fait. Bon allez c'est parti, j'ai esquivé la voiture là. Bon j'en ai marre, bon, je vais rembobiner parce que j'ai vraiment envie de vous montrer à plus de 400. C'est vraiment impressionnant. Là déjà j'y suis prêt. Bon à chaque fois que je vais me cogner je vais rembobiner parce que sinon... Ah, j'ai atteint les 400 là. Là, je suis à plus de 400. Enfin! Comme vous voyez, c'est hyper rapide. 410.
412. Ah ben, je me suis cogné. Bon bref, vous avez vu, donc maintenant je vais le faire avec la NSA Venom GT. Donc voilà, à tout de suite. Allez, on se retrouve. Donc cette fois, je suis avec la NSA Venom GT, on va faire pareil. Bon, maintenant il fait nuit, bon, c'est pas un gros problème. J'espère que vous allez bien voir la voiture, parce que comme vous avez vu, c'est très dur. Donc vous allez voir, avec la NSA, c'est la bonne appareil, elle est plus rapide. Et comme vous pouvez voir, aussi, elle a un son plus aigu. Oh là là, je suis un peu cogné. Ça va pour vous. Parce que... Donc là, je suis au début de votre route, le truc qui commence là. Donc voilà, je suis bien posé. Très dur. Voilà. Alors, je suis dans une double vitesse et j'ai pas dans une voiture, donc ça va être un peu tard. Oula, elle est rapide la voiture de moi, je sais pas ce que c'est. Mais... Ah ben justement, c'est la même que moi, c'est aussi une NSA, une Venom GT. Vous avez vu là aussi c'est très rapide, à peu près autant que la Bugatti, même comme je vous disais avant les 400. Et celle-là je l'ai jamais fait, mais en même temps je crois que la première fois que j'y vais sur l'autoroute avec celle-là, parce que je la prends pas souvent. Parce que ça va vite vite vite. Oh là là, c'est dur de passer. Vidéo, j'espère que vous avez aimé. Donc au revoir.